fabrique le chocolat ici dans l'entreprise depuis 1884. Ça fait 21 ans que je suis ici et ça fait 21 ans que chaque année on grossit un petit peu plus. C'est vrai qu'on est une petite entreprise, et donc une petite entreprise qui fait son chocolat, et du coup on fait le chocolat à partir de la fabrique. Les entreprises comme nous, il y en a très peu en France. Il y a, je crois, une dizaine d'années, on a acheté un chariot élévateur. Le troisième, c'est un Mariotti, et on est très contenu parce que justement, il n'y a pas ce partout. Dans la maison du chocolat, la société Bonnat, à la base, nous intervenions sur une réparation et nous avons vu que le chariot qu'ils utilisaient ne correspondait pas du tout à leur environnement. Et nous leur avons proposé d'essayer un matériel plus petit, plus compact, qui leur permettrait de passer de partout, décharger des camions, monter des pentes, aller dans leurs ateliers et ainsi leur permettre d'économiser du temps et de l'énergie pour mieux produire et se consacrer à leur métier. Accepté de faire un essai. Et suite à cet essai, on a voulu tout de suite l'acheter parce que les chariots Mariotti, enfin, le modèle qu'on a acheté, il est très compact. Et comme on a pu voir sur la vidéo, il est à la fois compact, mais aussi puissant. Et il est très très précis, moi je trouve. On a des endroits où on déplace des palettes de 800 kg à une tonne. Il faut monter une petite pente. Avec nos anciens chariots élévateurs qui levaient plus lourd, il fallait prendre de l'élan et s'élancer, et les routes patinaient tout de suite. Avec notre petit chariot Mariotti, on monte la pente, on la monte très doucement, tout en sécurité, et on n'a aucun souci de glissement. Voilà. Le chariot Mariotti a beaucoup de polyvalence. Il y a un agrément de conduite qui est très très satisfaisant. Peut-être qu'il est tout petit, il va nous permettre de décharger un camion qui va nous apporter des matières premières telles que le sucre ou même le cacao. Mais il peut aussi nous servir, c'est lui qu'on prend quotidiennement, pour charger le camion des expéditions quotidiennes, qu'elles soient distribuées partout en France ou en Europe. Et donc il a cette polyvalence de charger soit les matières premières, même les matières finies, ou de faire l'entretien à l'intérieur des locaux, puisqu'il est tout petit, c'est pas ça. Comme autour de moi, vous voyez, il y a des grosses machines qui s'appellent des broyeurs, et sur ces broyeurs, il y a des très grosses pièces métalliques. Avec notre ancien chariot élévateur, quand on voulait faire les mêmes manutentions, on était obligé de passer par d'autres portes qui sont plus larges, mais ça impliquait qu'on déplace une partie de la pièce. Vu que le chariot Mariotti est beaucoup plus petit et qu'il passe par des portes beaucoup plus petites, du coup, on n'est plus obligé de déplacer tous ces éléments et on passe, ça nous simplifie beaucoup. Le choix c'est assez vite porté sur Mariotti pour la société Bonnat. Pour différentes raisons, c'est un matériel de qualité qui est très compact, qui permet d'aller dans les situations où les autres chariots ne peuvent pas aller. Et qualitativement parlant, c'est pour nous le top de choisir cette marque pour Bonnat, qui représente aussi de la qualité au travers le monde, au travers du chocolat. Vraiment, c'est un beau mariage, un produit rare qu'est le chocolat Bonnat. Et un produit rare qui est le petit Mariotti. Je dis que c'est un chariot mini mais maxi par ce qu'il peut faire. Au premier regard, il est très très court, du coup très maniable, puisqu'il a une plus grosse centrale à l'arrière, donc il fait des demi-tours impressionnant. C'est tous ces avantages-là qui font qu'on verra surtout en arrière, parce qu'aujourd'hui, il est devenu indispensable. On arrive à bien ranger dans le garage parce qu'on a un chariot Mariotti.